Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier DVD Matrix. Alors dans ce premier opus, on va découvrir une technique de pêche en plein essor et plutôt mal connue ici en France. C'est la pêche au feeder, une technique facile et productive. Alors pour nous parler et nous inculquer cette technique, Nicolas Lévin, un consultant, pêcheur polyvalent et surtout compétiteur en pêche au feeder ici sur le circuit français. Alors plusieurs destinations, fleuves, carpodromes et étangs. On commence tout de suite, on rejoint Nicolas au bord d'un étang pour nous inculquer les bases de cette technique. La pêche au feeder est une technique qui se développe de plus en plus en France et on comprend largement pourquoi, car elle est facile à mettre en place, rapide et surtout très productive. Donc la pêche au feeder, ça consiste à pêcher des poissons sur le fond, donc avec une ligne de fond, une ligne à la plombée. Et à la place, en guise de plomb, de lest, on va utiliser un amorçoir pour apporter des petites quantités d'amorces régulières près de l'èche. Donc ça ne va pas être une pêche où on fait un amorçage de départ lourd pour attirer les poissons et les pêcher et rappeler toutes les heures ou tous les trois quarts d'heure comme on le ferait sur une pêche au coup classique. Là, ça va être à chaque lancer, on va introduire une petite quantité d'amorces. Donc on va faire une pêche de rappel sur des poissons et créer de l'activité. Plus on va pêcher, plus on va faire de poissons, plus on va amorcer et plus on incitera les poissons à se nourrir. Donc je vais déjà vous présenter un peu les trois types de cache feeder que j'utilise en plan d'eau. Parce qu'aujourd'hui, on est en plan d'eau, on va faire une pêche de petits poissons. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, la pêche au feeder est beaucoup plus subtile qu'on pourrait ne le penser. Ce n'est pas une pêche grossière de plomb à la plombée avec des gros corps de ligne et des grosses cannes. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc en plan d'eau, en eau close, là l'étang est peu profond, j'utilise des caches plastiques. Donc c'est des caches plastiques qui sont disponibles en plusieurs tailles. Donc il y a les tailles small, medium et large. Et la seule chose qui va changer, ce n'est pas le poids du lest, c'est la capacité d'amorce. Donc pour un même poids de lest, donc des feeders de 40 grammes, je vais pouvoir introduire plus ou moins d'amorce. Donc ça, ce sera en fonction de la saison et de l'appétit du poisson et de la distance de pêche. Donc ça, c'est les premiers types de feeders. Donc c'est des feeders plastiques, ouverts de chaque côté, qui conviennent un peu pour toutes les pêches classiques et qui libéreront l'amorce selon comment vous allez la tasser dans le feeder, relativement progressivement. Les deuxièmes types de feeder que l'on peut utiliser ici en plan d'eau, c'est un peu le même système. C'est des feeders plastiques ouverts, donc qui sont perforés sur les côtés. Donc pareil, en small, medium et large. Et après, c'est à vous d'adapter avec les poids de lest. La seule particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont des petites ailettes. Donc ça, c'est avantageux lorsque vous voulez pêcher légèrement plus loin. Le feeder aura tendance à voler plus droit. Et moi, j'aime bien les utiliser sur les fonds mous. Les ailettes évitent l'enfoncement un peu dans la vase ou dans les sédiments. Donc c'est le même type de feeder pour les fonds mous et les plus longues distances. Et enfin, les plus classiques, c'est les cache feeders. Donc voilà, hein, c'est du petit grillage métallique. Donc ça, l'avantage de ces feeders-là, en début de pêche, ça permet de lâcher, lors de la descente du feeder, beaucoup de particules et créer de l'activité. Donc ça, pour démarrer et avoir des touches rapidement, c'est ce qui se fait de mieux. Je vais vous présenter l'ensemble canne moulinée que j'utilise aujourd'hui dans ce petit plan d'eau pour une pêche à moyenne distance de petits poissons, donc en plus avec des petits feeders. Donc j'ai choisi la canne à la Horizon S-Class en 3,60 m de chez Matrix, donc c'est une nouveauté. C'est une canne relativement light, avec une puissance maximum de lancer de 60 grammes. Donc ça correspond à peu près à un feeder de 30 ou 40 grammes, plus l'amorce. Donc pour une pêche à moyenne distance, dans des conditions comme ça, très peu de profondeur, faible distance, petit poisson, c'est une canne qui ira parfaitement. Donc à l'extrémité de cette canne, il y a des sillons qui sont interchangeables et que vous pourrez faire évoluer la puissance de ces sillons en fonction des consignations de pêche que vous rencontrerez. Donc selon le vent, la distance de pêche, la grosseur des feeders, la grosseur du poisson, vous pourrez faire évoluer la sensibilité de votre canne au fur et à mesure de vos besoins. Donc les sillons, il y a plusieurs tailles de sillons, donc ça va de 1 ose à presque 4 oses. Donc 4 oses, c'est vraiment des gros sillons. Et comme vous pouvez le voir, selon la taille du sillon, c'est pas du tout la même souplesse. Il y a des sillons qui sont très très souples. Le plus petit, c'est un 1 ose. Au-dessus, on a un 2 ose et demi, donc c'est déjà un sillon qui est relativement raide. Et au-dessus, on a un 4 ose qui est vraiment très très raide. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le plus fin parce que je vais pratiquer une pêche de gardon, voire plaquette, peut-être quelques tanches, mais c'est surtout beaucoup de gardon. Donc voilà, c'est un sillon qui est vraiment très souple et qui permettra de détecter la moindre touche de petits poissons. Bah à présent, je vais vous présenter le moulinet
que j'ai placé sur cette canne. Donc sur cet Horizon S-Class, j'ai monté un moulinet Reflex 4000. Donc c'est un moulinet très léger, avec un frein très précis. Donc ça va nous permettre, sur des nylons très fins, de pouvoir jouer avec des gros poissons et de travailler très précisément lors du combat. Un gros clip, parce que je vais vous le présenter tout à l'heure, il est nécessaire de clipper la ligne pour toujours lancer le feeder à la même distance et justement procéder à un amorçage répété précis. Donc un gros clip qui n'endommagera pas un nylon très fin. Un moulinet très léger, robuste, en parfait équilibre avec ma canne. Concernant le montage, rien de compliqué. Plus le montage sera simple, moins il aura tendance à s'emmêler. Donc il se compose d'un feeder plastique médium de 30 grammes. Donc c'est le modèle médium des trois gammes. Donc enfilé sur le corps de ligne en nylon submerge en 15 centièmes, qui va venir se loger sur un Horizon Protector Sleeve, qui est un petit morceau de silicone conique, lequel viendra s'emboîter sur un micro émerillon, comme ceci. Et le feeder viendra se loger lors du lancer sur ce feeder. Lors de la touche, j'aurai un montage coulissant, ce qui m'indiquera les touches sur le sion, puisque c'est le sion qui me servira d'indicateur de touche. Je n'ai pas encore mis de badling. Sur l'émerillon, je mettrai un badling d'environ 40-50 cm que je réduirai certainement en cours de pêche. Je n'ai pas mis encore d'hameçon, simplement parce que je vais me servir du feeder pour commencer ma pêche et amorcer. Donc j'ai dit qu'on n'allait pas faire d'amorçage lourd au feeder. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre d'amorce au départ. On va mettre une dizaine de cages. Ça va nous créer un point fixe, précis, où est-ce qu'on va pouvoir attaquer notre pêche. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais procéder à un micro amorçage de départ, histoire de poser les bases et de commencer à construire ma pêche. Donc le montage que je vous ai montré tout à l'heure sans badling. Je remplis légèrement le feeder. Et un des secrets de la pêche au feeder, c'est pas forcément dans la façon de lancer, les distances de pêche, des montages compliqués, etc. C'est plus dans la manière dont vous allez compresser l'amorce dans le feeder. Donc ça sera toujours différent d'un plan d'eau à l'autre, en fonction de la profondeur, du mélange que vous utilisez, de la présence de courant. Il faut toujours faire en sorte que votre feeder arrive entier sur le fond, qu'il ne se vide pas entre deux eaux, et que par contre, une fois sur le fond, l'amorce se dévide assez rapidement pour provoquer des touches justement rapidement et amorcer rapidement. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu voir, j'ai atterri sur le clip. Donc j'ai pris un axe sur la berge d'en face, c'est un buisson. Donc toujours prendre comme repère quelque chose qui ne risque pas de se déplacer. Hein. Donc de ne pas prendre un pêcheur qui risque de s'en aller en cours de pêche ou quoi. Donc un buisson, il n'y a pas de chance que quelqu'un vienne le couper aujourd'hui. Donc voilà, j'ai ma distance de pêche qui est réglée avec mon clip. J'ai l'axe sur la berge d'en face et je sais qu'en tombant sur mon clip, je pêcherai toujours dans le même mètre carré. On ne peut pas dire qu'on va tomber les feeders empilés les uns sur les autres, mais on arrive toujours à être très précis. Donc là, on attend quelques secondes que le feeder se vide. Et le plus important, c'est d'avant de ramener la ligne, parce qu'au cas où il reste de l'amorce, vous risquez de traîner de l'amorce sur 2-3 mètres et du coup de plus être précis. C'est de mettre un petit coup en l'air assez sec pour vider votre feeder sur place et maintenant, vous pouvez le ramener. Ça évite de... Si votre feeder a eu un peu de mal à se vider ou il ne s'est pas vidé assez rapidement, ça évite de traîner de l'amorce sur plusieurs mètres et de créer un coup qui va faire, au lieu de faire un mètre carré, qui va en faire 3. Donc là, je remplis le feeder. Donc là, c'est un mélange classique étant, très peu mouillé, qui travaille très vite. Dedans, il y a quelques asticots, quelques grains de maïs doux pour essayer de tenter les quelques gros poissons présents. Donc vous voyez, j'ai mon axe en face. Je tombe sur le clip et je suis toujours précis. On laisse descendre le feeder sur le fond. Voilà. Et là, je sais que sur un mètre carré, je suis toujours au même endroit. Donc c'est un des secrets, un peu comme la pêche à l'agrainage qu'on pourrait faire en rivière, soit une pêche au stick. Voilà, c'est amorcer, pêcher, prendre un poisson, amorcer, pêcher, prendre un poisson. Et plus on va le faire, plus ça va créer de l'activité et plus on va enregistrer des touches rapidement. Donc après, il est possible qu'en cours de pêche, je sois obligé de jouer sur la longueur de mon badling, selon la taille des poissons. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits poissons dans le plan d'eau, donc si le badling est trop long, je risque de me faire, une fois que le feeder aura touché le fond, je risque de faire choper l'èche, manger l'asticot par les petits poissons, sans pouvoir forcément voir la touche. Donc voilà, très peu serré.
Vraiment une amorce qu'une fois qu'il va toucher le fond, en 2-3 secondes, le feeder va se vider. Donc, le buisson comme axe sur la berge d'en face. Le lancer. On touche sur le clip. Le feeder touche le fond. Voilà. Donc là j'ai mis mon badling, je l'ai éché avec deux asticots, donc là c'est un hameçon de 16, fin de fer, monté sur du 9 centième. Je l'ai éché avec deux asticots, j'ai rempli mon feeder, toujours mettre l'èche en premier avant de remplir le feeder, sinon pendant qu'on met l'èche, le feeder aura tendance à se déremplir, surtout avec des appâts vivants. Je vais lancer, je vais essayer de faire un poisson. Donc, toujours l'axe en face, le clip, toujours précis. Voilà, le feeder vient de toucher le fond, on coule un peu la bannière pour vraiment que la ligne soit étendue et que la détection de touche soit plus facile. Et voilà, ça pêche. Donc là, peu de temps après l'amorçage, les premières touches, donc attirées par l'attractivité de l'amorce, les petits poissons, donc c'est des rotangles, des gardons. Bon, c'est des poissons. Il faut espérer que, force de mettre des feeders et d'être régulier dans les lancers, on arrive à sélectionner un peu la taille des poissons. Mais ça prouve bien que c'est pas une pêche grossière ou qui est exclusivement réservée à des grosses cannes, des gros nylons, gros hameçons, puis à pêcher des gros poissons de manière grossière. Ça peut être subtil et puis assez délicat. Donc là, toujours précis avec le clip et puis le repère sur la berge d'en face. Sur les pêches comme ça, il faut que ça devienne mécanique, quoi. On lance, on noie le fil, on fait un poisson. Voilà le résultat d'un peu plus de 3 heures de pêche en étang. Donc une pêche fine, de petits poissons. Donc malheureusement, on espérait toucher quelques plaquettes, voire quelques tanches. Bon, elles n'ont pas voulu jouer le jeu. On s'est rattrapé sur des gardons, des rotangles. Donc beaucoup de fausses touches. Comme je vous l'avais dit, obligé de raccourcir le badling une quinzaine de centimètres pour pouvoir ferrer ces poissons qui faisaient des touches très rapides. Je vais les remettre à l'eau et on va continuer notre découverte. Alors, on vient de voir, la pêche au feeder est une technique simple et accessible à tous. Alors, un autre terrain de jeu propice à cette pêche au feeder, eh bien, c'est la rivière et les fleuves. Et ça, la France, elle en recèle. On trouve tout de suite Nico ici pour une pêche forte dans la Seine à Vernon.
contrairement à hier où je pêchais des petits poissons en eau close dans un petit étang peu profond, donc gardon, rotangle principalement. J'utilisais un matériel relativement light, une canne sensible, un fil plus fin, petits hameçons, petits feeders. Là aujourd'hui, la situation est tout autre, parce que là on est bel et bien sur une pêche classique de rivière, donc de beaux poissons. Donc ce qui m'oblige à utiliser un matériel forcément plus résistant et plus puissant pour pouvoir maîtriser ce genre de poisson et surtout pour pouvoir lancer des feeders relativement lourds. Donc là voilà, c'est la plupart des poissons qu'on prend, c'est ça quoi, c'est des poissons, des brèmes et des hybrides entre 500 grammes et 2 kg pour les plus gros. Donc, ce qui m'oblige à utiliser une canne plus puissante, un moulinet garni en tresse avec la nouvelle tresse Submerge Special Feeder de chez Matrix, au bout de laquelle j'ai rajouté un arraché en nylon de 35 centièmes, donc d'environ une dizaine de mètres. La canne, c'est la Horizon, donc c'est une canne relativement puissante en 4 mètres, donc ça me permet quand même d'avoir la tresse relativement extraite du courant et pouvoir faire passer les poissons par-dessus une bordure recouverte d'herbe. Là devant moi il y a de l'herbe, donc ça me permet de pouvoir surélever les poissons. Donc le sion après c'est en fonction de votre distance de pêche et de la puissance du courant. Là c'est un 2 aux ennemis, donc c'est relativement sensible tout en restant puissant. Donc le montage par lui-même, rien de sorcier. J'ai enfilé un feeder. Donc là c'est un feeder plastique relativement fermé que je peux remplacer par un feeder en cage. Donc la particularité de ces feeders, c'est que derrière, ça ressemble un peu à un pneu de tracteur. Donc ça permet l'adhérence dans le courant du feeder et qu'il évite de trop glisser sur le poste. Donc le feeder lui vient se loger sur un Horizon Protector Sleeve. Donc en fait c'est un petit cône, c'est une petite partie conique silicone avec un manchon qui vient se loger sur un émerillon, un micro émerillon sur lequel je viens fixer mon badling. Donc là c'est un badling de 14 centièmes, d'environ 40 cm, sur lequel j'ai fixé un hameçon numéro 14, Matrix, un carp bander. Donc j'ai démarré avec un hameçon de 16, là j'utilise un hameçon de 14 parce que là j'ai commencé à toucher des gros poissons et je vais pêcher avec un verre de terreau, avec deux asticots. Donc pour le matériel, rien d'extraordinaire. Donc vous pouvez, en amont du feeder, mettre un petit stop flotte pour venir faire un coulissant mais limité. Et jusqu'à pouvoir même mettre le stop flotte juste au-dessus du protector sleeve pour vraiment avoir un feeder quasi fixe. Donc la longueur du badling, en général on démarre un peu plus long. J'ai démarré la pêche avec un badling de presque 1 mètre. Et plus la pêche va avancer, plus les touches vont être rapides, plus on va avoir tendance à raccourcir le badling. Alors pour ce type de pêche en rivière ou sur des grands fleuves, j'utilise essentiellement deux types de feeders que je vous ai montré tout à l'heure en vous expliquant le montage. Soit un feeder cage qui est relativement ouvert, donc l'amorce va se désagréger beaucoup plus vite parce que le courant aura un effet beaucoup plus important sur le contenu du feeder. Et en plus ça va libérer des particules, donc pour démarrer la pêche, pour créer de l'activité sur des petits poissons, ça va développer un petit nuage si l'amorce est un peu traçante, ça va libérer des particules, donc ça va être beaucoup plus attractif. Et ensuite, je viens terminer ma pêche avec un feeder un peu plus fermé, un feeder plastique, qui lui va maintenir l'amorce et les éches un peu plus longtemps dans le feeder. Donc on peut déjà charger avec un peu plus d'éches vivantes, boucher avec un petit peu d'amorce de chaque côté, et on aura deux effets totalement différents, juste en changeant le feeder. Donc après c'est disponible en plusieurs tailles, hein, ça va de 15 grammes je crois jusqu'à 100 grammes. Donc là, 60 et 80 grammes, c'est les deux feeders qui conviennent le mieux pour la pêche d'aujourd'hui. Je sais qu'ici, l'après-midi, le courant a tendance à baisser, donc je pense que je passerai plus sur un feeder de 45 grammes. Je vais remplir mon feeder et vous montrer comment on procède. Alors premièrement, prenez toujours l'habitude d'écher d'abord votre éche pour éviter que le contenu de votre feeder se dévide avec les appâts vivants pendant justement que vous mettez vos éches sur l'hameçon. Donc là, le plus dur dans la pêche au feeder, c'est de définir le bon pressage qui va vous permettre et à votre feeder de traverser la couche d'eau et une fois arrivé sur le fond de se déliter rapidement. Donc là j'ai juste rempli le feeder comme ça avec deux doigts, je presse légèrement et mon montage épêchant est prêt à être lancé. Donc là il ne me reste plus qu'à lancer la canne. Donc là je suis obligé de me lever parce que j'ai un quai derrière moi qui me gêne un peu.
Donc j'ai un repère sur la berge d'en face pour être toujours dans le même axe. Lancé, j'arrive sur le clip de ma canne. Donc j'ai clippé ma tresse pour pouvoir pêcher toujours à la même distance. Je laisse ma canne en l'air. J'attends que le feeder descende dans le courant et vienne se poser sur le fond. Voilà, là il vient de poser sur le fond. Je ferme le pick-up de mon moulinet et je ne donne pas un coup de moulinet. Et le courant va avoir un effet sur la ligne, va créer une boucle. Et c'est cette boucle qui va permettre de nous faire visualiser et détecter les touches. Donc en plus, c'est facilité avec l'utilisation de la tresse, avec l'absence d'élasticité. Les touches sont beaucoup plus marquées. Alors c'est pareil, lors du ferrage, on voit beaucoup de pêcheurs tirer et faire des ferrages super puissants. Donc là encore plus avec la tresse, juste le fait de lever la canne, avec l'inertie du feeder et justement la tension de la canne, le poisson est ferré tout seul. Il y a juste à lever la canne, une légère tension et le poisson est ferré. Voici le résultat de quelques heures de pêche avec une approche simple, une canne, un montage simple, solide, très peu d'amorce. J'ai utilisé 5 ou 6 litres d'amorce, 1 demi-litre d'asticot et voilà le résultat. Quoi. Il y a à peu près 30 kg de poisson, donc c'est plus que convenable. Alors encore une fois, on vient de voir que la pêche au feeder est une technique très simple à mettre en place et surtout très productive, notamment ici sur cette pêche de gros poissons en fleuve. Alors on va rester dans le domaine des gros poissons et on va changer de lieu. On est dans un endroit qui est très très prisé des pêcheurs français, c'est le Carpodrome, c'est vraiment le truc à la mode. On va retrouver tout de suite Nicolas qui va affiner un petit peu sa pêche mais qui va rester dans la même taille de poisson parce qu'il va essayer de prendre des carpes au feeder en Carpodrome. Les trois types, les trois montages que j'ai utilisés aujourd'hui lors de cette journée de pêche en Carpodrome. Donc, corps de ligne en 23 centièmes, en submerge, donc un nylon coulant spécial feeder, sur lequel j'ai enfilé une tétine en caoutchouc, un tel rubber, ce qui va me permettre, en cours de pêche, de pouvoir changer de feeder. Donc là, c'est un évolution méthode feeder. Donc c'est ni plus ni moins l'ancienne pêche à la pelote au ressort qui a été remis au goût du jour. Donc c'est une pelote. Donc le tail rubber sur le corps de ligne. Mon corps de ligne relié à une perle agrafe qui me servira et de butée pour mon méthode feeder et de liaison entre mon bas de ligne et mon corps de ligne.
Donc il vient se refermer sur la boucle. Un bas de ligne d'environ 10 cm. Un hameçon carp rigueur en taille, j'ai pêché entre 16 et 14. J'ai varié les tailles. Un petit cheveu sur lequel est fixé un plastique stop. Donc c'est un petit stop à pas, je vais vous montrer après comment on l'utilise. Donc l'intérêt de ce montage là, c'est qu'en cours de pêche, on peut faire évoluer et changer son système d'amorçage. Donc là, si j'ai envie de pêcher aux méthodes feeder, je passe mon badling et ma perle de butée à l'intérieur. La petite partie plastique sur la partie supérieure de mon méthode est fendue, ce qui me permet d'y passer mon cordeling. Je viens recouvrir cette partie plastique fendue avec le tail rubber. Et je me retrouve avec un montage aux méthodes coulissant. Vous pouvez mettre un stop float en amont si vous voulez un montage fixe. Moi j'ai pêché en coulissant, c'est beaucoup plus sensible. Donc l'avantage, là c'est pour pêcher avec un méthode. Si en cours de pêche, vous voulez pêcher avec du pelé ou ne serait-ce que juste pour au bout de quelques lancers réintroduire quelques pelés sur votre cou, il vous suffit de démonter le méthode, de passer votre ligne dans l'évolution pelé feeder, la partie fendue, on remet le tail rubber et je me retrouve avec un pelé feeder inline coulissant. Et vous pouvez changer ainsi votre façon d'amorcer à volonté. Donc la première chose à faire une fois que vous avez monté votre feeder ou votre méthode, c'est d'écher votre appât. Donc contrairement à une aiguille à bouillette classique où on vient enfiler l'appât sur l'aiguille pour venir l'enfiler sur le cheveu, là en fait c'est juste une pointe droite sur laquelle on vient enfiler le stop bouillette. Donc là on va pêcher par exemple avec un grain de maïs. Je traverse le grain de maïs avec le stop bouillette et l'aiguille. Je ressors l'aiguille et j'ai un appât enfilé sur un cheveu et bloqué par un petit stop en plastique. Donc un montage très court que je vais remplir de pelé. Donc c'est du pelé mou. Là c'est du 2 et du 4 mm. Donc à l'aide de votre doigt, vous enfoncez dans la partie prédécoupée sur le dessus du feeder, des petites doses de pelé. Vous venez y introduire votre hèche, votre hameçon, et vous venez recouvrir le tout avec du pelé. Ça va résister au lancer, et une fois arrivé sur le fond, ça tombera toujours, ça se mettra toujours à plat sur le fond, côté semelle en plomb, pendant la descente. Votre feeder à pelé va se poser comme ça sur le fond. Les pelés vont se désagréger et vous allez vous retrouver avec un petit tas de pelé et votre hèche au milieu. Et à la touche, il y a le montage coulissant qui vous signera là votre touche sur votre sion. Si vous voulez utiliser du méthode, il suffit de changer de système d'amorçoir. Donc il suffit de sortir le montage du pelé de feeder pour pouvoir passer un montage méthode feeder, donc pour pouvoir amorcer des farines. Donc il suffit de le repasser dedans, hop, toujours cette partie fendue derrière, le tail rubber par-dessus l'insert en plastique, et voilà, je me retrouve avec un montage méthode. En 3 secondes et demie, j'ai changé ma façon d'amorcer, je peux passer du pelé à la farine en quelques instants. Donc pour ça, on va réécher à nouveau le cheveu. Donc cette fois-ci on va mettre une petite bouillette flottante de 6 mm. Donc on pousse le stop plastique à travers l'appât avec l'aiguille. On décroche le stop à pas, on enlève l'aiguille, on le place et on se retrouve avec un cheveu éché d'une petite bouillette flottante. Donc une fois que le méthode se sera dissous, elle sera au-dessus de l'amorçage. Donc là en plus c'est un mélange très gras, ça diffuse des particules et des petites particules grasses au-dessus du fond. Donc un petit appât présenté décollé comme ça de 10 cm. Donc pour le remplir, on ne va pas le faire à la main parce que c'est pas évident. Il suffit de prendre le moule, de mettre un fond de méthode dans le moule, introduire l'appât avec une partie du badling, recouvrir le tout de méthode,
Voilà, de le tasser un peu à ras bord. Bien faire attention que le fil sorte d'un côté du moule et passe à l'extrémité du méthode. Presser. Voilà. Appuyez sur les extrémités pour démouler et vous avez un méthode chargé avec un appât protégé. Donc si vous pêchez qu'il y a un petit peu d'herbe ou quelques débris, votre hameçon sera protégé lors du lancer et à la descente. Ça va se désagréger. Vous allez avoir votre méthode feeder qui va se dissoudre et un petit appât positionné au-dessus. Donc là, on peut très bien imaginer que s'il y a un poisson qui arrive, il va se laisser piéger. Si en cours de pêche, vous estimez que les poissons sont trop fixés sur vos pelés ou sur vos appâts et que vous voulez ralentir le rythme d'amorçage, mais sans être obligé d'arrêter de pêcher, il vous suffit alors de recommencer l'opération, donc de décrocher le méthode feeder et vous allez pouvoir y insérer, pêcher juste avec un plomb. Donc pour ça, il y a des clips, pareil, qui sont interchangeables, vous n'êtes pas obligé de refaire une ligne, c'est le même principe. Donc vous avez le tail rubber, vous n'en avez pas besoin parce que vous en avez déjà un sur votre ligne. En fait, le clip, il est fendu tout du long. Il suffit d'insérer votre nylon. Voilà. Accrocher un plomb d'arlesé. Refermer le caoutchouc. Et vous vous retrouvez avec une ligne, avec un petit plomb coulissant. Donc en cas de casse, le poisson se débarrassera, de, que ça soit avec du feeder, du méthode ou du plomb, il se débarrassera du lest et aura juste le balding dans la gueule. Et vous pouvez repasser en un quart de seconde à un montage méthode ou feeder. Alors il y a deux modèles de méthode. Il y en a un qui est prévu pour les mélanges relativement collants. Donc c'est ce modèle-ci. Donc c'est un modèle qui est, c'est une semelle de plomb avec une semelle plastique sur le dessus, perforée de chaque côté. Un mélange collant va très bien tenir. Et vous avez le modèle que je vous ai présenté juste avant, qui lui est muni de petits arceaux plastiques tout autour pour les mélanges moins collants. Ça va permettre de maintenir le mélange sur la semelle en plastique. Donc les badlings, vous pouvez les préparer vous-même. Il y a les petits stops plastiques, les hameçons pour les préparer vous-même à la longueur souhaitée, ou alors ils existent pour la pêche aux méthodes déjà prêtes à l'emploi avec le stop fourni sur le cheveu d'une longueur de 10 cm, donc en plusieurs tailles d'hameçon et plusieurs résistances de nylon. Alors encore une super partie de pêche au feeder qui se termine. Alors j'espère que dans ce DVD vous aurez redécouvert ou découvert cette pêche emblématique qu'est la pêche au feeder. Vous avez pu voir que c'est une pêche qui est assez facile à mettre en place. On va remercier Nico pour ses précieux conseils. Bah, pas de problème. Et puis je vais profiter de ce petit moment pour dédier ce DVD à notre ami Jackie Karen qui malheureusement nous a quitté il y a quelques jours. Donc c'était une figure emblématique de la pêche au feeder en France. Il a beaucoup fait pour cette technique. Donc voilà, à travers ces images, je lui rends un petit hommage. Ok, bah, merci beaucoup Nico, merci à vous de nous avoir regardé et puis j'espère à très très bientôt.